Méline. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Je me déshabille tout de suite, non? Alors. Ça marche pas la caméra, il dit non. Oh, quoi? Vous devez dire du mal de sœur Emmanuelle. Ah bien, bien, bien. Alors je vais vous raconter. Bah vas-y. Non mais je vais raconter une anecdote sur sœur Emmanuelle parce qu'elle est venue voir mon spectacle en Suisse il y a quelques mois et je fais un sketch sur les juifs et j'explique que je suis plus juif parce qu'on m'a retiré tous mes points parce que j'ai fait Noël. Et justement, que faisait Dieu une semaine avant la mort, etc. C'est Dieu seul le sait. Et juste avant de donner la réponse, il y a sœur Emmanuelle qui est au premier rang, à Genève, et qui commence à parler. Parce que j'entendais pas, donc ça devient un peu un bruit. Et donc j'ai dit, ma sœur, bouge pas, parce qu'on se tutoie. Et donc je vais chercher le micro et je lui tends. Et elle me dit, ah ben figure-toi, Raphaël, que moi aussi je suis juive. Bon, je crois qu'elle plaisantait. Si elle m'avait dit qu'elle était musulmane, ça m'aurait fait marrer, mais juive. Et elle me dit, oui, je suis une fille Dreyfus et je suis très fière d'être juive. Et sœur Emmanuelle est juive, donc j'ai appris que sœur Emmanuelle était juive ce soir-là. Jean-Pierre Foucault aussi. Hein. Et oui, Jean-Pierre Foucault, incroyable. Ouais, hein. Ouais. Il y a Lustiger, Jean-Pierre Lustiger Foucault. Aussi, oui. Jésus, il recrute à l'extérieur.